Bonjour à tous, on est ici au Club France, c'est le journal des Jeux Paralympiques et c'est encore une journée chargée en médailles pour nos Français. Déjà en or en 2021 à Tokyo, Dorian Foulon a décroché un nouveau titre de champion paralympique en poursuite individuelle catégorie C5. En natation, les frères Portal ont partagé le podium sur 400 mètres nage libre avec Alex en argent et Kylian en bronze. La France a aussi décroché 5 médailles de bronze ce samedi. En para-athlétisme, Antoine Prost sur le 1500 mètres T46, les pères Berthier Hérault et Mérien Vautier en para-tennis de table. Et en para-cyclisme, Alexandre Léauté sur le kilomètre C1-3 et Gatien Lerousseau sur la poursuite C4. Dorian Foulon était d'ailleurs au Club France il y a quelques instants. Il s'est exprimé au micro de Thomas Micot. Première émotion, c'est juste exceptionnel. J'arrive pas à réaliser honnêtement de tout ce qui se passe. C'est encore la médaille de la performance. Oui, je réalise, mais c'est tout l'engouement qu'il y a là derrière. Ayant vécu Tokyo, ça n'a rien à voir la saveur de la médaille. Et là, je peux en plus profiter et j'ai avoir 3 jours pour me remettre dans le bain avant la prochaine. Mais c'est vraiment un truc de fou. La journée, je me suis levé ce matin avec un peu de palpitant, franchement, pour être honnête. Assez stressé, mais déterminé. La première partie s'est bien passée. Franchement, même quand j'ai vu l'Ukrainien me battre mon record du monde, j'étais serein parce que je partais sur des bases de 4-15. Après, ça s'est bien passé, mais par contre, entre deux était vraiment très court. Il n'y avait que à peine deux heures et demie. En plus, j'avais fait un gâteau sport pour pouvoir manger, prendre un peu d'énergie, et les oiseaux me l'ont mangé parce que je l'avais mis sur le bord de ma fenêtre pour le frais parce que j'avais pas de frigo et ce matin, il n'y en avait plus rien. C'est une petite anecdote. Et du coup, j'ai mangé 2-3 trucs et après, je suis parti en finale et beaucoup plus stressé, mais le public m'a vraiment porté dans les 7 derniers tours. Le résultat est au bout. C'est une source d'énergie, c'est un truc de fou de partager ça. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Plus jeune, j'ai toujours regardé en fait les athlètes olympiens et tout savourer ça. On parlait tout à l'heure des Jeux de Londres. Quand je regardais les Jeux de Londres avec des grands yeux, jamais j'aurais cru pouvoir vivre ça et d'avoir un club France comme ça. Je crois que ça s'est jamais vu. Et en paralympique, c'est un truc de malade. Et j'incite vraiment même tous les athlètes à venir partager ça parce que c'est une source d'énergie. Merci au public de venir aussi nombreux. On en a besoin et ça nous permet de faire encore de plus belles performances. Et franchement, je vais avoir une énergie supplémentaire encore quand je vois tout l'engouement pour la suite de mes épreuves. Ouais, elle est vraiment belle avec ce morceau de la Tour Eiffel, on a tellement entendu parler. C'est un truc de fou. Et maintenant, il faudrait sa petite jumelle, là. Ça serait bien. C'est le but en tout cas pour le chrono, je sais que ça va être compliqué. J'ai travaillé pour l'enchaînement des deux. On va tout faire pour. Et après il y a la route. L'idéal vraiment, soyons objectifs, partir avec 3 médailles, peu importe la couleur aujourd'hui, maintenant j'en serais très content. Mais l'objectif c'est d'avoir le chrono. C'est la super coach de ces jeux. Abignaré, médaillé d'argent à Rio, a accompagné les taekwondoïstes Jelika Diallo et Zakia Koudadadi dans leur quête à la médaille. On les écoute. Une première expérience pour moi en tant que coach aux Jeux paralympiques. Et j'avais envie de voir si j'allais ressentir ce que j'ai ressenti en tant qu'athlète ou voir s'il y avait une différence. Et sincèrement, j'ai pris vraiment plus de plaisir en tant que coach qu'en tant qu'athlète. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais le plaisir était décuplé avec mes athlètes sur l'aire de combat. Le fait que tout ce qu'on fait à l'entraînement, quand je suis à fond derrière elles, quand elles pleurent parce qu'elles sont fatiguées, que je les remotive pour revenir, je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, que je ne les ai pas embêtées pour rien, que le travail a payé enfin. C'est vraiment magique, c'est exceptionnel. C'est un rêve, vraiment un rêve. Ça représente tout le travail qu'on a fourni ensemble durant 5 ans. Et je suis très fière d'avoir remporté la médaille d'argent. J'ai gagné contre la championne paralympique en titre. Du coup, le premier combat, c'était vraiment important pour moi de le gagner. Et grâce à ça, j'ai pu me projeter jusqu'en finale. Et voilà. Non, je ne suis pas déçue parce que pour moi, mon objectif, vu que c'est mes premiers jeux, c'était de faire un podium. Et là, je suis arrivée jusqu'en finale quand même. C'est incroyable et je suis fière de moi. Moi, j'ai arrivé en France en 2021 et après direct, je suis habitée à l'ICEP pour s'entraîner avec l'équipe de France. Et j'ai rencontré avec Abignaré en 2022 et il est mon coach. Moi, depuis 3 années, je travaillais dur avec Abignaré toutes les journées à l'INSEP avec 7 kilos régime, avec
beaucoup de douloureux, avec il y a beaucoup de news négatives dans mon pays, avec tout. Mais je savais que j'ai gagné, j'ai rentré avec belle médaille. Mais aujourd'hui, voilà, ça va facile avec ça. Pour moi, il est une star dans ma vie parce qu'avec elle, à cause de elle, qu'aujourd'hui je suis progress, je suis gagné le médaille bronze. On est les deux ensemble, on y va pour Los Angeles. En fait, mon objectif pour la Paris, c'est de gagner médaille. Et le deuxième, c'est de montrer force pour toutes les filles et pour toutes les femmes dans mon pays, en Afghanistan, et pour toutes les réfugiées à Paris, en France et dans le monde. Cette médaille, c'est pour toutes ma famille, plus pour ma mère qui. Ils sont tous venus pour mon combat à 29 août à Grand Palais. Ils sont pleurés. Je suis très très fière de ma famille parce qu'à cause de ma famille qu'aujourd'hui je suis là pour le continuer de l'espoir. Parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de chance pour la fille qui tu es libre pour tout. Mais ma famille, c'est open mind. Vas-y Zakia, cassez tout, tu es libre pour tous. Dimanche, les épreuves de triathlon débutent. Alexis Anquincan, champion paralympique, tentera d'aller chercher sa deuxième médaille d'or ici à Paris. Quant à la championne du monde, Élise Marc, elle participe à ses troisièmes Jeux avec un objectif clair, remporter sa première médaille paralympique. Retour sur son parcours dans Origine. Élise Marc, j'ai 36 ans, 4 fois championne du monde de paratriathlon, 4 fois championne d'Europe de paratriathlon. J'ai fait les Jeux de Rio, de Tokyo, et là je me prépare pour Paris. Je suis double amputée tibiale, donc en dessous du genou, et je cours avec des prothèses. Alors j'ai découvert le triathlon grâce à des collègues de travail. Je faisais des études d'ingénieur en apprentissage, et donc mes collègues, lors des pauses café, ils parlaient de leur entraînement, de leur compétition, et c'est comme ça que ça m'a donné envie de me lancer. C'est en 2004 que j'ai eu mon accident, c'est en 2012 que j'ai commencé le triathlon, donc il y a vraiment eu un gap entre les deux, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'envie de me dépasser, de me prouver de quoi j'étais capable, c'est vraiment ça qui a été moteur dans la construction de ma carrière. Quand j'ai commencé le triathlon, je n'avais pas l'objectif de performance. J'étais déjà prouvé à moi-même que j'étais capable d'en faire un. Je me suis de plus en plus investie et c'est comme ça en 2014 que je fais ma première sélection en équipe de France. La première course que j'ai gagnée, en fait, je voyais encore tout le travail qu'il y avait à faire après. Donc c'était le début et je voyais que c'était une aventure. Je ne savais pas où elle allait me mener, mais c'était vraiment un chemin qui allait vraiment, dans lequel je pouvais vraiment m'épanouir. La première fois que j'ai gagné le titre de championne du monde, c'était en 2017. Ma grande concurrente, c'était une athlète russe. J'étais toujours derrière elle. Et cette année-là, j'ai fait des gros progrès en course à pied. Et quand à la fin de la course à pied, je vois qu'elle n'était pas revenue sur moi, j'ai fait « Yes, yes, c'est bon cette fois, je t'ai battue !» Les doutes que j'ai eus au cours de ma carrière, ça a été surtout par rapport aux catégories qui sont retenues pour les Jeux. Parce qu'à Tokyo, ma catégorie n'était pas retenue pour les Jeux. Paris, c'est la même chose, mais la différence pour Paris, c'est que j'ai la possibilité de concourir dans la catégorie du dessus. Et on s'est rendu compte avec mon entraîneur que voilà, c'était possible de concurrencer les athlètes de cette catégorie. Donc on s'est lancé dans ce challenge. J'ai fait les Jeux de Tokyo, mais en paracyclisme. Donc, comme je l'ai dit, ma catégorie en triathlon n'était pas retenue. Ça m'a fait découvrir une autre façon de s'entraîner, d'aborder les compétitions. Et pour moi, ça a été une expérience hyper enrichissante. Je fais 10e sur la course en ligne et 12e sur le contre-la-montre. La sélection, c'était déjà un énorme challenge. J'ai obtenu ma sélection en faisant 2e au championnat du monde en contre-la-montre. Donc forcément, faire 12e au jeu, c'était un peu, ouais, c'était une déception. Concernant les Jeux de Paris, je pense que j'ai jamais été aussi prête à la bord d'une Olympiade. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai envie d'être présente, j'ai envie d'être là sur le ponton de départ. Et je sais que toute ma famille sera présente. J'ai été 4 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe. J'ai jamais eu de médaille aux Jeux. Et réussir à en avoir une, ce serait juste incroyable. 20 ans plus tard, Audrey Cayol et l'équipe de France de basket fauteuil sont de retour aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Nous avons rencontré le capitaine des Bleus qui participe à ses deuxièmes Jeux après Athènes en 2004.
commencé le basket dès l'âge de 4-5 ans et aux Antilles, en Guadeloupe. Ensuite, à l'âge de 15 ans, en fait, j'ai malheureusement eu un accident au basket qui m'a valu une paraplégie. Il faut savoir que c'est un sport de la commune d'où je viens, en Guadeloupe, Pointe-Noire. C'est le sport phare. Il n'y a que des basketteurs là-bas. Mon cousin, Michael Gélabal, aussi vient de là-bas. Donc on a grandi ensemble. Le basket, ça fait partie de notre vie, de notre culture. On a toujours bouffé basket de matin jusqu'au soir, quoi. Donc c'était tout naturellement qu'après mon accident, je me retourne vers le basket entier. Alors c'est une discipline très spectaculaire. Il y a pas mal de contacts. Il faut pas oublier qu'on est sur des fauteuils. Les fauteuils, quand ça s'entrechoque, c'est du métal. Donc ça fait du bruit, c'est intense. Ça reste aussi un beau sport collectif à voir, puisque contrairement au... Parce que je peux faire la comparaison avec le valide. Le valide, en un contre un, le joueur, il pourra passer son défenseur. Là, l'aspect collectif est plus important encore dans le milieu du handi-basket, puisqu'on a les fauteuils qui prennent de la place, et passer un joueur en un contre un, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vraiment, le collectif, il est mis en avant. En tant que capitaine, mon rôle, il va être très simple. Avec la nouvelle génération qu'on a, leur parler un peu des expériences des Jeux paralympiques. Ils l'ont aussi, l'expérience, hein, parce que il ne faut pas oublier qu'au-delà du côté paralympique, aussi, on a déjà effectué des championnats du monde, championnats d'Europe. Donc les gars, ils ont l'expérience. Moi, après, je suis juste là pour, s'ils ont des questions à me poser, savoir comment gérer telle ou telle pression ou comment aborder un match. Moi, je suis juste là pour ça. Jouer devant une salle comble comme Bercy, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai jamais vécu. Donc là, je ne sais pas comment je vais gérer ça, on verra bien. Mais bon, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Le journal des Jeux paralympiques, c'est bientôt terminé. Mais avant de se quitter, voici le tableau des médailles de ce samedi 31 août. La Chine est première du classement avec 41 médailles, dont 20 en or. Elle est suivie par le Royaume-Uni. Le Brésil complète le podium. La France est 7e avec 17 médailles, dont 3 en or. Le programme de demain, avec notamment l'entrée en lice de l'équipe de France de CC Foot à 20h30 face à la Chine. Le journal des Jeux paralympiques, c'est déjà terminé. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous.